Est-il vrai que la liberté, l'égalité, la fraternité soit ou est un facteur universel? Et pourtant, il devrait l'être. Il devrait être un droit universel. Que tous les hommes au monde soient égaux. Que nous soyons de quelle race que ce soit. Que nous venons de n'importe quel continent. Que nous soyons pauvres, que nous soyons riches. Nous devrions avoir les mêmes droits sur cette terre. Et pourtant, ce que nous voyons, c'est une vague d'injustice. Le riche contre le pauvre, le fort contre l'impuissant, le blanc contre le noir, et l'esclavage qu'en faisons-nous. Lorsque nous serons là pour la révolution, que tous les peuples seront libres, que ce soit des noirs, que ce soit des indiens, que ce soit des arabes, tous les peuples ont droit à l'existence, ont droit à la paix, ont droit au bonheur. Et espérons que la liberté, la légalité, la fraternité est un droit, est un objectif universel. Et si vous croyez que vous pensez que nous serons toujours dominés, non, ce ne sera pas le cas. Nous allons mener ce combat car pour le maintien de la liberté des hommes, de la liberté des hommes, de la liberté des femmes et de la liberté de tous les peuples, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient rouges, nous devons tous mener ce même combat. Car il est notre devoir à nous tous de mener cette révolution et d'en faire un prix. Nous devons frapper ce combat lorsque nous serons frappés. Me mettre en question. Sentons-nous plus ou moins cette sens de liberté? Je sens la lâcheté. Et pourtant, je n'ai jamais eu cela. Ce à qui je pensais. Toutes les troupes sont mobilisées et nous avons suffisamment d'hommes pour mener à bien ce combat. Et je suis presque certain que nous aurons cette énergie de combattre les ennemis de la nation, que la Constitution nous permet d'entrer dans nos droits et que tout sera dans ses ordres. Et alors, tous nos commandants militaires et les chefs militaires seront prêts à mener cette destinée. Et pourtant, je m'interroge, suis-je vraiment dans une bonne voie pour mener ce combat à bien? Je le doute.
принимаю во внимание, что признание достоинства всех членов человеческой семьи является основой равенства и всеобщего мира. Принимаю во внимание, что мы равны, ты и я, из одного мира. Принимаю во внимание, что мы должны держать ответственность за свои чувства, ответственность за свои мысли и за свои действия. Принимая все это во внимание, оглянись вокруг, посмотри, что происходит. Мы все равны, но никто не понимает, что на самом деле мы не равны. Принимая все это во внимание, я не могу находиться в этом мире, в котором столько много несправедливости. Принимая во внимание, ma liberté d'expression dérange. Qui se sent concerné? Que devrais-je penser ou dire? Cette question me tue. И всеобщего мира. Принимая во внимание, что все мы равны, что ты и я одного свойства. Принимая во внимание, что мы должны держать ответственность за свои чувства, за свои действия, за свои мысли. Принимая все это во внимание, посмотри вокруг. Ты же видишь, мы рождены и остаемся свободными. Мы рождены и остаемся свободными. Мы рождены. Ta liberté d'expression dérange, qui se sent concerné. Que devrais-je penser ou dire? Cette question m'oublie. Le jour de la gloire est arrivé. L'étendard semblant et l'homme. Entendez-vous? Dans les périphéries. Посмотри вокруг. Ты же видишь. Je dois encore y réfléchir.